Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons jouer à Loadle Note, en tout cas la suite, continuer. Alors j'ai regardé du coup sur Steam parce que je me disais qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de zones. J'ai vu que le jeu se finissait en 100% en 6 heures, hein. Donc, c'est quand même plutôt rapide, on va pas se mentir, pour quand même 15 euros. Mais bon, le jeu est vachement cool, donc c'est vrai que c'est quand même plutôt cher par rapport au temps passé. Mais c'est pas du temps passé pour du temps passé, c'est vraiment... quand même de la qualité, donc c'est du temps passé de qualité en fait. C'est sûr que c'est quand même rapide. Ok, c'est là par là. 125 du coup maintenant d'oxygène, on est bien. Alors, c'est vrai qu'on peut prendre les bulles du coup ici. Tac, voilà. Alors maintenant on va falloir trouver la zone. Bon, là on y est, c'est par là à mon avis. Et voilà, on y est. C'est une magnifique forêt. Bon, microplastique. Il faut un équipement adéquat. Ça tombe bien. Je l'ai. C'est quoi ça? C'est vraiment ramasser des fruits. Bon, c'est pas si bizarre. Hein. Ah d'ailleurs j'ai oublié, on est à l'entrée donc c'est à peu près là. Allez là on va mettre, et voilà. On va mettre ça là et du coup on aura plus de problème d'oxygène pour cette partie. C'est toujours notre bombe qu'on peut lancer pour déployer directement la zone. Pour enlever un maximum de trucs. Alors il va vachement vite notre truc. Est-ce qu'on l'a amélioré je crois? Non je crois qu'il est pas amélioré. Hein. Je me rappelle pas l'avoir amélioré. Alors c'est super, on a le truc pour les bulles. Mais maintenant qu'on a la zone portative, ça sert à rien. Là on a une sorte de zone de micro-particules de déchets, micro-plastique en fait. Et on va devoir utiliser l'équipement adéquat et ça tombe bien. Puisque on avait acheté dans le à la fin du dernier épisode l'aspiratruc. Voilà. Ouais, bah il me dit reste éloigné mais ça tombe bien. Parce que j'ai l'équipement. Ça il sait pas. Et du coup si je passe dedans, ça ouais. Hop voilà. Vous voyez c'est quand même vachement pratique. On continue notre parcours ici. Arrête de me dire qu'il y en a dans mon propulseur. J'en ai. Je dis que j'ai l'équipement adéquat. Hop. Bon, il me dit plus la phrase chiante là, c'est bon. Ok, ça en fera à la fin. Ou plus tard. C'est vrai que ça va vite, hein. Pourtant, je sais pas, je crois pas qu'on l'ait amélioré. Je me souviens pas. Après, c'est plutôt satisfaisant. C'est vachement agréable comme jeu. Ça, il n'y a pas de doute pour se détendre, c'est génial. On a 30% du coup. C'est ça qui me dit cette phrase. Voilà. Voilà, voilà. Il marche plus quand je suis dans la zone, ok. Ah, très bien, il est plein. Faut que je retourne à la crique du coup. Ah, très bien. Heureusement, on a le portail donc je vais pouvoir passer dedans. C'est bien par là? Ouais, c'est là. Bon, pour tout ce qui est non, tout ce qui est objectif là, faut qu'ils m'enlèvent ceux qui en sont terminés, voilà. En tout cas, pour y aller et revenir, en termes d'oxygène, grâce au portail là, c'est vachement bien. Donc, comment je fais là? Très bien. Très bien. On va y déposer ce qu'on a plus besoin. Voilà. On va regarder s'il n'y a pas une petite amélioration comme ça. On augmente la capacité de l'aspiratruc. Et bon, bah, c'est ce qu'on va faire parce que c'est ce qui nous force à revenir. Très bien. Puis allez, on va augmenter un peu l'oxygène. Ça fait toujours plaisir. 150 d'oxygène, c'est pas mal du tout. Bah au boulot. On a vu, on va s'occuper de tous ces trucs plastiques là. Lolo badge. Docteur Tesla Wolf Kirchner, chercheur scientifique. Statut. Qui vole sans cesse mes fruits? Ça empêche le bon déroulement de mon travail. Les fruits de cette planète n'apportent rien en matière d'énergie. D'accord. Très bien. À mon avis, ceux qui volent les fruits, c'est les animaux là. Voilà, Loadle. Allez, viens là. On va aller le nettoyer ce petit Loadle. Je vais dire de rester là parce que sinon il va me suivre tout le temps. Mais bon, moi dans sa maison il y a un peu moins de contaminants. C'est pas ça que je voulais faire. Alors on est dans quelle maison ici? Très bien, on est dans celle juste là. Histoire que je les fasse revenir dans leur maison. Même si après ils vont où ils veulent, hein, pour respecter un peu la cohérence. Bon regardez, il y en a un là. Salut! Alors ici il y a une maison où ça va pas du tout. Très bien, l'extérieur de la maison est vachement mieux. Mais l'intérieur, ça va, il n'y a pas de microplastique. Déjà, au moins, j'ai l'impression qu'il va pas s'étouffer. Attends, c'est ça ta maison? Ah ouais, j'ai oublié. Allez, reste là. Prends sur le toit. J'ai oublié. J'ai surtout pas vu. Change un peu tout ça.
C'est bien, ils commencent un peu à se balader et tout. Déjà, il y en a plus que tout à l'heure. Dans les zones d'avant, il y en avait un à chaque fois ou deux par zone. Première zone, il y en avait un. Deuxième zone, il y en avait deux. Alors, moi, ils sont un peu plus nombreux à vivre là. Bon, là, ici, c'est même pas des maisons. Très bien, très bien. On a 94%. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs qui flottent. Alors, il y a deux nuages là-bas. Voilà. J'ai l'impression qu'il reste plus que des caisses. Ah ouais, il reste plus que les caisses. Hein. Après, on n'a pas beaucoup de déchets. Je sais pas si on va rentrer. Je pense qu'on va directement s'attaquer aux caisses. Ah, salut toi. Ça va? Affamé. Oh non. Y'a quoi ici? Allez, tiens. Il a affamé le pauvre. Est-ce que j'améliore le scanner là parce que... Ah ici, ça m'aiderait à trouver quand je galère à la fin. Bon allez, on va aller en prendre de l'oxygène. On n'est pas non plus super loin hein, de notre nouveau truc. Voilà. Ce qui est bien d'avoir ce truc là, ce portail, c'est que du coup on a l'oxygène facilement et surtout ça nous évite de prendre les loodles et de les ramener jusqu'à la base pour les désinfecter et après pour les faire revenir. Ça c'était long. Moi j'ai même pas besoin de rentrer. Et voilà, 100% ici, lieu de voyage rapide. Alors ok, c'est là-bas. Bon du coup on a plus besoin de ça. Hein. Voilà, on va le récupérer. On l'a bien. Vu que de toute façon on peut faire voyage rapide et qu'on a plus besoin d'être là. On peut juste faire tac, rentrer à la crique et puis revenir quand on veut. Je crois que la zone connue sous le nom de Golf Encrassé est ta prochaine destination. Pas vraiment ce qui s'y trouve mais ça veut dire que c'est à l'extrême sud de l'océan. Faudra améliorer ta combinaison avant de pouvoir t'aventurer dans ses profondeurs. Bah très bien, très très bien. Je vais regarder avant si on peut faire des jouets, des objets. On peut rien faire du tout, nickel. Enfin, quand j'ai nickel, c'est ironique, hein. Mais non, mais c'est pas là. Je crois qu'on est bon, on n'a pas encore ce truc d'électricité, de pile. Tout ça, on peut mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer, du coup? Alors, l'oxygène, on est fond, à fond, pardon. Durée du boost, on est à fond. Pointage du scanner. Ok, ça pointe, du coup, les éléments les plus proches, ça c'est bon. Module explosif, ça c'est bon. Aspiratrux, ça c'est bon. Moldu du scanner, repère les ordures avant qu'elle te repère, donc ça c'est vraiment quand on galère à la fin. Et ça augmente la vitesse de laser, du laser. Et par contre, il y a un truc qu'on aura besoin, une auto-laveuse. On va prendre ça. Hein. On en aura besoin pour le golf encrassé. Très bien, donc c'est le dernier objet du coup. Très bien, donc on prend d'abord en priorité ce qu'on a besoin. Les structures, on n'a rien de plus. Et ça, on peut pas l'avoir du coup. Moldu de scanner, et ben on peut plus rien faire. Hein. On peut plus rien faire. Mais au moins on a le dernier objet. Ah oui, et le aspiratruc à mon avis. On en aura besoin donc... Faut qu'on le vide avant. Morceaux de plastique, très très bien. Voilà, bon, faudrait que j'utilise la bombe là, purificatrice. Une recharge, on va mettre là, on va devoir l'utiliser. Après ça, on va regarder comme ça. Très bien, bon, bah, suivant. Objectif du coup, très bien, très bien. Ah oui, c'est loin. Bon, on va stepper l'épave. Ça, c'est pas vu que c'est là. Ça fera déjà ça te fait. Voilà. Et maintenant, du coup, par là, qui me dit que c'est par là. Très bien. Bah, fonçons. Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Et toi? Eh oh. Ah, ok. Tu sais, agrandir, regarder son apparence de bébé. Ah, un bébé Loodle vient de. Là, je vais dans statue et je regarde s'il a faim. Et là, il a faim. Du coup, on va lui donner des cœurs de varan, j'en ai plein. Tiens, allez. Il est où le bébé là? C'est toi, bébé? Non, lui, je l'ai déjà nourri. Où est bébé? Eh bien, je ne sais pas où il est. Oh, il est énorme celui-là par rapport à lui. Ah, ouais. Bon, rendez-moi désolé, mais j'ai. Je dois aider d'autres gens comme vous. À la prochaine. Si vous avez faim, vous m'appelez. C'est vraiment loin. Donc là, c'est une zone, il y a quoi ici? Alors, il y a des déchets, mais... Ok. Apparemment, ils ont dit qu'il va falloir accéder à la combinaison. J'ai aucune idée de comment on l'a fabriqué. Enfin, il faut un matériel que... Un matériau que je n'ai pas. Et que je n'ai jamais trouvé dans le jeu, donc bon. On va aller voir déjà, on va aller trouver le golf. Ah, très bien, donc là, on peut pas aller. Bah écoute, on l'a trouvé, mais...
Si je vais descendre. Très bien. Ah, apparemment j'ai découvert l'aliment préféré d'un Noodles. Très bien, bah faut améliorer du coup la combinaison. Et je ne sais absolument pas comment faire. Avant d'acheter la laveuse, j'aurais peut-être dû acheter l'amélioration. Oh, là, je viens de récupérer un téléphone. L'inventaire est rempli. Ah merde. Écoutez, on va acheter une bombe pollinisatrice. Ah, faut jeter des trucs parce que on va pas laisser des plastiques ici. Très très bien, c'est un peu la merde. Bon, mon inventaire est plein, alors je vais éviter de récupérer des trucs. On revient ici. Alors faut que je rentre, c'est là-bas. Et du coup notre téléphone là qu'on a récupéré à mon avis, on va peut-être pouvoir le mettre dans l'électronique hein. C'est ça, ok. Déjà là on peut toujours rien fabriquer, c'est ça. Ouais, il faut... Ça on s'en fout hein. Il faut vraiment ça. Comment on fait pour obtenir module de cuisine? Ouais, mais il faut des trucs organiques. J'en ai zéro. Comment obtient-on ça? Je n'en ai aucune idée. Tiens, organique, ça me fait penser plante. Et si je fais ça du coup? Est-ce qu'il va me donner un truc organique? Ah bah voilà, j'en étais sûr. Je m'en doutais. Et voilà. On va commander un menu de scanner du coup. Donc c'est le seul truc qu'on peut faire. De toute façon là on va partir pour un petit moment à mon avis, donc autant qu'on soit bien. Alors attends, espèce de stockage, à mon avis on va déplacer plein de trucs hein. Allez, tout ça on va déplacer, ouais. Faut qu'on va partir pour un petit bout de temps. Allez, voyage rapide du coup. On repart à SS Épave. Et on va pouvoir du coup retourner au golf encrassé. C'est parti. Pourquoi le récif de la vague il est à 97%? On ira voir tout à l'heure. C'est en train de baisser donc je suppose qu'il y a un truc qui se passe. Ce doodle vient d'émettre quelque chose par les antennes. Une large panel de capacité. Ah ouais. Attribut. Très bien. Alors je bug parce que on parle d'antenne de doodle mais... Du coup elle a... Oh oui, le scanner est vraiment grand. C'est bien, c'est bien. Bon allez. Faut pas que j'ai trop d'oxygène. Parce que là, je vais en avoir besoin. Et voilà, on peut descendre du coup maintenant dans les profondeurs abyssales. Ah oui, l'ambiance elle est spéciale. Très bien, ça, ça s'absorbe. Et ça, du coup, je suppose que c'est avec la laveuse qu'on peut le faire. On va récupérer l'oxygène. Oh là là, ici c'est lugubre. Un petit cœur, fixe de la passion. Je vole tous tes fruits, mec. Oh putain, le nombre d'objets qu'il y a. A mon avis, on va devoir... Ah oui, l'inventaire est presque plein. On va devoir faire des allers-retours de temps en temps. Viens, mon petit. Alors, mon petit. Plein de goupes. Je vais te dégouper, viens. Allez, viens. Faut passer là. Je vais faire vérifier et si, allez, hop. Ah, ah non, ok, il peut pas vivre. Bon, bah, viens, alors. Je vais déjà s'occuper de ton conteneur. Lolo Badge. Anna, manager de la marque. On va faire une pause sur le relooking de la mascotte pour l'instant. Les doigts ne coopèrent pas. On m'a dit que la nouvelle planète où nous allons contient des créatures encore plus géniales. On reprendra sur le relooking plus tard. Très bien. Oui, j'ai bien fait de vider mon inventaire juste avant. Là, on en serait déjà plein. À mon avis, on va pas tarder à l'être. Voilà, bah voilà. Là, c'est plein. C'est pas ça. Ouais, on est pas mal chargé. Un copain. On peut tout prendre. Allez viens, on va te nettoyer. Ok, ce truc là je peux pas le prendre. Très bien. Des couches de goop qui sont accumulées. Ah non, les deux se sont fait contaminer. Voilà. Allez, on va vous nettoyer un petit coup, venez. Même si à mon avis ça va revenir quand on va repasser la machine là. Ah, je l'avais dit. Les deux ils sont englués, contaminés. On va utiliser le radar. Oh, trop bien le boost. Ah, on peut le faire que quand on l'utilise pas. Bon, je peux pas prendre. Ah, j'ai pas vu ici. Ok, là, je peux tout prendre, nickel.
Ah, je vais pouvoir vous laisser là les loodles. On a 70% de progression. Parce qu'il faut que je fasse en priorité toutes les grosses flaques. Tous les loodles là. Ils se contaminent direct dès que je nettoie ça. Et que j'aimerais bien les relâcher. J'ai pas envie qu'ils se contaminent tous les deux secondes. Je vais pas les laisser coller à moi là, ils sont tous là à me poursuivre. Est-ce qu'il y a des flaques? J'ai l'impression qu'il y en a une là-bas. Non, c'est pas une flaque. J'ai l'impression qu'il y en a plus de flaques. De toute façon, je commence à avoir moins d'oxygène, donc on va aller s'occuper de ces doodles. Venez là. On va je vous donner à manger. Alors pour ça, je vais regarder quelle est la spécialité locale. Fruits locaux, c'est bien les cœurs là. J'en ai 4, parfait. Regardez, je vais faire. Tac. Allez, manger. Et voilà. Bon, ils ont tout mangé les cœurs. Maintenant, ils sont libres et ils sont bien. Ils ont plus besoin de moi. Tiens, il y en a là. Je récupère, je leur donnerai à manger. Alors oui, il y avait ce bâtiment, cette énorme structure là-haut, qui avait besoin d'un bon petit coup de lavage. Bon, au moins les loodles, ils sont libres. Ils vont arrêter de me suivre. Donc c'est où ici? Nouveau badge, Steven Silverback. J'ai volé un fruit bien appétissant dans la raffinerie, je vais le manger. Hé hé. 0 sur 10, non recommandé. Et ouais, pas manger des fruits. Alors regardez le récif de la vague et le SSF PAV, ils perdent. Plus le temps avance, plus ils perdent des. Ils sont plus à 100% là. Quand je vais aller s'occuper de... je vais aller m'occuper de ça. Mais bon, pour l'instant, on a 96%. Il va falloir que je rentre. À mon avis, j'ai trop d'objets. Ouais, à mon avis, si ce que je dis est correct, il n'y a plus de trucs, il reste que des caisses du coup. Enfin, plus de contaminants. À mon avis, il reste que les caisses. On va regarder. Ah, très bien. Bon, ouais, il reste que les caisses. On va retourner à la base, histoire de déposer les centaines d'objets qu'on a. Toujours pas ça. Voilà, ça, tous les objets de notre inventaire est vraiment full. Et après, on ira faire les caisses, du coup. Et là, on aura encore plein d'objets. Alors, tout ce qui sert à rien, on va le mettre là. Est-ce qu'on peut pas recycler? Voilà. Il ne reste que les trucs à recycler dans l'inventaire. Et on va aller faire ça. Tiens, prends ça. Très bien. On va faire le vert. Ça, c'est du plastique. Hein. Et ça, c'est de l'électronique, du coup, les piles. Et ça donne quoi, du coup? Ah, ça donne ça, ok, bon, c'est pas ouf. Pièces technologie, on en a déjà plein. Il y en avait plein partout en fait. Sur les... Voilà. Peut-on fabriquer un objet? Toujours pas. Et peut-on améliorer des trucs ou faire des structures? Structure, on est bon. Module de rayon laveuse, on a passé. Efficacité de laser, on a passé. Bon, on a un peu rien à faire en fait. Et on peut pas. Ça, ouais, non, on peut pas. Hein. Dommage, j'aurais bien fait ça. Et ben, on est reparti. On va peut-être récupérer les cœurs là. Ça. Pour nourrir les. S'il y en a besoin. Et voyage rapide. Et ça c'est pas... On va retourner au golf. Encrassé. J'essaie de regarder pourquoi il est à 99%. Ah, j'ai compris. Loodle Lofi. Leur antenne lumineuse est conçue pour avoir un effet hypnotisant tellement brillante. Stylé. Stylé, stylé. Alors oui, j'ai compris. Oh mais d'accord, ok. Il restait carrément du... ça. Très bien. Il me dit qu'il reste un truc. Je n'ai pas l'impression... Non, non. Ok, je vois pas. Bon, on reviendra plus tard pour faire 100% dans tous les cas. Y'a pas d'inquiétude là-dessus. Ah, ouais, bon, on ira là-bas après. Un cocon, très bien. C'est ça? Non, ça y en a beaucoup. Non, je sais pas. On verra. Très bien, plus de contaminants. Et où est le cocon là qui parlait? Ah tiens, bah toi, ce serait pas un peu... Oh, c'est une manta, plus gluant que les autres. Toi t'as faim ou pas? Non, non, ça va. Une forme manta, ça c'est stylé. Oh, des pieuvres, des mini pieuvres. Et bah c'est cool. Ouais, on retourne à la crique. Bah il reste le campus de Guppy.
Et après, ce sera fini. Oui, c'est plutôt rapide. Un peu de l'épreuve finale, donc ça risque d'être le plus long. Avec le plus de flaques et de trucs. Tous les boulons, les morceaux de métaux, là, j'en ai tellement. On peut pas faire quelque chose avec ? Est-ce que ça se recycle, ça ? Je vais quand même les prendre parce que ça me paraît bizarre d'avoir autant de trucs qui servent à rien. Pourtant, il n'y a pas d'image de boulons là sur les trucs électriques. On est bien d'accord. Hein. Sauf que j'ai aucune idée de quoi ça sert. Si j'en fais là, non, il n'en veut pas. Bon, très bien, j'ai aucune idée à quoi ça sert, mais bon. Ça sert. Est-ce que ça sert dans les objets ? Même pas. Je peux toujours rien faire. Ça sert dans les structures ou pas ? Non, bah non, il n'y a que les trucs de base qui servent. Alors. Bah déjà, ça c'est un peu la base. Mais du coup, on n'aura plus de. La vitesse à laquelle le laser détruit les matériaux. Allez, on va prendre le rayon parce que ce sera plus rapide. C'était quand même un peu long dans la fin. Très bien. Et ouais. Faut aller tout là-bas. Bah, on va y aller. Est-ce qu'on fait ça maintenant ? Oui. Alors, essayer de la vague, il dit qu'il y a 115 groupes. Donc, on va aller voir ça. Ça me paraît beaucoup. Récif de la vague. On va d'abord aller voir comment ça se. Oh ! Mince ! Ok, alors attends. Attendez. On va aller au golf encrassé parce que j'ai oublié de récupérer notre truc à oxygène. Je l'ai laissé là. Voilà. On va en avoir besoin, à mon avis. Et ouais, ça m'a l'air d'être quand même devenu un peu le bordel. Enfin, le bordel en bien, du coup, parce que c'est. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de population. Et par contre, pourquoi il y a autant de déchets et tout alors que j'ai tout enlevé ? Je sais pas, bon. On va remettre un peu la zone au propre. Ah, ok, ils essaient de m'aider. Merci, merci. Mais il n'est pas censé avoir de déchets ici. Hein. Je sais pas pourquoi il y a ça. Très bien, ouais, il y en a. Effectivement, il y a quand même pas mal de trucs ici. C'est mieux, 96%. Bon. Pourquoi il y en a autant de. Pourquoi il y a des petits bras, lui ? Ah, ils se nourrissent naturellement dans les arbres et tout. Stylé. Hello, il y a quelqu'un ? Il y en a rien à foutre. Ah. Alors, le 2, la moustache. Ah là, il a bien mangé. Forcément, je viens de le voir manger. On va aller à l'intérieur. Ah oh, bah, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? C'est avec le temps, à mon avis, ça... Là-haut. Très bien, ça m'a l'air déjà vachement mieux. Pour eux. Une des plantes que tu as nettoyées a été contaminée de nouveau. Mais... Surtout si c'est des plantes contaminées aux alentours. Mais y a rien de contaminé. Pourquoi y a un pot, là? Bon, bah, le truc, c'est contaminé tout seul, alors que... Tout est propre autour. Ce monde avec les bulles énormes comme ça, c'est très très pratique. Bon, on devait chercher nous le golf encrassé. Non, le campus Guppy. Il n'avait pas mis à jour la quête. On enlève tout ça histoire que ça ne vienne pas nous embêter plus tard. Ça embête les autres zones. Très bien, nous y sommes. Ah non, c'est une autre zone. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Mais bon, c'est pas là où on doit aller. Mais effectivement, il va falloir revenir ici. Ah ouais, c'est vraiment le bordel. Ok, c'est là où je dois aller. Le campus. On va mettre ça ici. Voilà. Puis on va être parti. Hein. Alors on va juste actualiser la quête. Voilà. Très bien, très bien. Il y a des téléphones, il y a tout ici, c'est le bordel. Il y a des ordinateurs. Alors je vais vous proposer qu'on teste notre nouvelle auto-laveuse avec son amélioration. Effectivement, c'est mieux. On va d'abord s'occuper de ça en priorité. Parce que c'est ça qui contamine le plus de trucs. Voilà. Bon, ça va plus vite. On voit ouais, le nombre de trucs qu'il y a. En fait, c'est la dernière grosse zone du jeu. En termes d'histoire, je veux dire. Parce qu'après, il y aura du coup la. Bah, la fosse là. Qui n'est pas une zone entre guillemets de l'histoire. Avec des mobs dedans. Mais par contre, faudra le faire. Sinon, tous les trucs autour en fait se font contaminer. On a bien fait de prendre cette amélioration. Ça nous fait facilite vraiment le passage. Le travail comme vous voulez. C'est vrai que facilite le passage, ça veut un peu rien dire mais bon. Ok bah je pense qu'on est pas mal. Non, on peut enlever tout ça. Ça en fait on peut l'enlever parce qu'on n'a pas besoin de revenir au vaisseau. Par contre tout ce qui est objets, caisses, etc. ça. Oh, il y a des bulles ici. Ça fait de l'air ou pas ça? Ah ouais si, ça fait des bulles. C'est pas mal. Bon, j'ai un truc qui m'évite de devoir attendre. Mais c'est pas mal. Je me vois comme une bulle. Voilà, allez. Tout on t'aidera après. ...30% de la zone.
Et on va aller récupérer un peu d'oxygène, sinon on va mourir. C'est bon. Ils en ont laissé du matériel ici. Des ordinateurs, des piles. La salle de Réu sous l'eau. Bon, bah on a bien avancé, 50% là de la zone. C'est déjà un peu plus propre. Mince, faut que je vide un peu un truc un peu pas important, oui j'arrive. Un truc que j'ai pas beaucoup, bah tiens, la bombe, attends d'ailleurs on va prendre l'oxygène. Le problème c'est que j'ai tout enlevé là. Bon on va tester sur la zone à côté. Tiens voilà, la flaque, est-ce que ça marche dessus ou pas? Oh, oh c'est génial. En une seconde t'as enlevé je sais pas combien de temps de travail. En une seconde j'ai fait 30 secondes de travail, pas mal. D'accord, il y a des plusieurs trucs comme ça. Ah ouais. Trouver le bureau du PDG abandonné. Très bien. Nouvelle carte. PDG, Galina Motia. Au cas où vous ne serez pas au courant, on remballe. On va sur une planète plus grande. Youpi! C'est un secret, j'amène avec moi un Loadl au nouveau QG. Il s'appelle Squishy. Ok, donc ils ont bougé pour aller sur une nouvelle planète plus grande. Très bien. Jusque là ça me choque pas trop, sauf qu'ils ont foutu un bordel. Ils sont barrés comme ça, ils ont tout foutu, tout laissé comme ça et puis... Par contre ce qui est bien avec ce jeu c'est que, en termes de taille il est très très léger. Donc à mon avis en termes d'optimisation, même sur votre un PC, si vous avez un PC très peu puissant, portable, à mon avis il tourne. Ça c'est vraiment bien. Après j'ai pas testé, je vous dis pas 100% mais vu la taille qu'il fait, pour un jeu comme ça, c'est clair que... À mon avis, vous pouvez avec tout type de PC pouvoir y jouer. Je pense. Ici, c'est quoi comme bâtiment? Ce bâtiment est servi de centre de loisirs à Guppy. Tu crois qu'il faisait participer les Loadls à des jeux? Question stupide, bien sûr que oui. D'accord. Très bien. Si je me trompe pas, ce nœud ne contient plus aucun contaminant. Très beau travail. Très bien, on va pouvoir y aller en mode voyage rapide et ça va tellement me changer la vie. Parce que jusqu'à maintenant, heureusement j'ai pas fait d'aller-retour, j'ai tout gardé dans l'inventaire. Tous les biomes sont passés au test sanitaire, ce qui veut dire... Félicitations, tu as réussi ta mission sur Gup 14. Quelques petites choses à faire avant que j'envoie mon dernier rapport. Très bien. On va retourner à la crique. Bon, c'est pas fini, déjà les espèces elles sont pas prêtes. Alors je vais pas partir, hein, étant donné que j'ai pas fini, mais je conseille de prendre ton temps. Ok, très bien. Ok, on peut quitter, ok. Faut pas que je me trompe de touche, parce que bon. Très bien. Bah dès qu'on aura fait le 100%, alors à mon avis ce sera pas aujourd'hui. Ça sera pas aujourd'hui, mais quand on le fera, bah écoute, je le ferai avec vous. Je sais toujours pas à quoi servent les bouts de météo et les gros boulons. Mince. Très bien. Le verre... Non, j'ai oublié. Le plastique du coup. Non, j'ai oublié les conserves de soupe. Alors par contre on est bien parce que on a 20 téléphones, 8 ordi, 13 batteries, c'est vrai qu'on est bien. Non c'est des piles. Tout mettre dans l'espace de stockage. Peut-on fabriquer toujours? Non. Alors module d'efficacité laser, on peut, bah c'est le dernier truc du coup.
et on achète le dernier truc. Et voilà, le laser de, sur ton pistobule est maintenant plus efficace pour rompre les matériaux. Bon, je sais pas si ça va servir, si je crois que ça va servir encore. Les quêtes. Bah il en reste deux. Un jouet de l'odeur, l'assassin de fabrication, tout ça. Je vais regarder un petit peu les... entre guillemets les succès Steam. Qu'est-ce qu'on peut faire pour finir le jeu avant de quitter... Alors ce sera pas aujourd'hui bien sûr, parce que là ça fait déjà deux heures. Vous avez vu, je commence à avoir un peu ma dose, mais... Bah déjà il manque les holo badges, on n'a pas tous. Et surtout, ouais, il y a encore des zones là. On n'a pas vu. Et ben on va faire ça du coup la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Non, attendez, je n'ai rien dit. Avant de me mettre un petit like, s'il vous plaît. On va aller quand même au campus, sauver un petit peu les... la poiscaille. Parce que là, ils sont tous englués. Les pauvres poissons. Faut pas dire que c'est 100% fini cette zone tant que... Ah là-bas. Ah là, ici. Et voilà. Alors, il y en a que 3, je crois. Ouais. Très bien, bon, on a tout le monde. On va nettoyer tout ce beau monde. Du coup, quelle est votre nourriture préférée? En tout cas, la nourriture locale. C'est... on ne sait pas. Bon. Bah écoutez, je vais prendre ce que je trouve. Je vais vous nourrir avec ça, tiens. Des baies perlées, voilà, bah ça doit être ça. Allez, on va en chercher. Ouais, il y en a 4. Allez, venez. Et du coup, regardez, on va les nourrir. Voilà. Et voilà. Les 3 vont maintenant retrouver leur liberté, leur zone. Et puis, qui sait, quand on reviendra, peut-être qu'ils seront encore plus nombreux. Je crois qu'on est pas mal du tout. Alors, je dois alors toujours fabriquer un jouet depuis le début du jeu. Que j'ai toujours pas fait, mais bon. Au moins, ça s'est fait. On va retourner à la crique. Voilà, donc du coup, là on va pouvoir vraiment finir. Merci à tous du coup d'avoir suivi pour aujourd'hui. Peut-être faire un dernier truc. Oui, c'est... je suis très indécis. Et bon, je pense à ça au dernier moment. Bon, là c'est... normalement c'est bon, j'ai plus rien, ouais. Du coup, la semaine prochaine, la fois prochaine... on va aller visiter les dernières zones, nettoyer tout ce qu'on peut, tout ce qu'on voit on le nettoie. De toute façon on a toutes les améliorations à fond. On ira revoir les anciennes zones pour les mettre à 100%, parce que là on voit que c'est 98, 97, ça descend au fur et à mesure. On essaiera de trouver tous les holo badges du coup, parce qu'il en reste 4. Tant qu'on n'a pas fini ça, on peut pas avoir fini le jeu. Je regarderai aussi les succès Steam, je me ferai une liste d'objectifs, histoire de bah, d'avoir tous les succès du jeu, faire le 100%. Et on quittera bah, la planète, on aura fini notre mission. Dès qu'on aura fait tout ça, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve pour un prochain. Bye bye!